Et on enchaîne les épisodes. Salut à toutes et à tous, c'est Setskay, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la 12e partie... 12... du Let's Play de Pokémon Sword Silver sur Nintendo DS. J'espère que vous allez tous très bien. Donc moi, je me porte bien. Donc voilà, là j'enchaîne tout de suite après le 11e épisode, genre 3-4 minutes après. Voilà, donc du coup, on était à la tour Carillon pour voir, pour déjà aller au sommet, et pour voir si éventuellement il n'y aurait pas le Ho-Oh qui se trouve au sommet. Parce que sinon, ça me paraît quand même assez bizarre que le monsieur Argenta nous remette ceci, voilà. Donc Arc-en-Ciel, très beau jeu de mots au passage, qui est donc un petit peu, on va dire, un équivalent à l'Argentel, sauf que c'est pour Ho-Oh et non pour Lugia. Donc, essayons de continuer, voilà, donc on fait ça. J'ai trouvé une pépite, donc ça peut toujours servir. Ok, mais sinon c'était pas ici qu'il fallait aller, c'était pas ici du tout. Donc, que faut-il que je fasse? Ah non, mais là je suis en train de tourner en rond depuis tout à l'heure. Bon, j'imagine qu'il faut que je prenne ce téléporteur là. Ok, bon c'est vrai que c'est un endroit assez galère hein, pour... Je parle du casse-tête en tout cas, hein. Sinon c'est vraiment très sympa et très bonne ambiance. Mais sinon c'est vrai que c'est plutôt galère de s'y retrouver franchement. Bon je suppose que c'est ce téléporteur là. Tac. Oula. PV plus. Ok. C'est de repousser le disciple. On va en mettre un autre. Bon, par contre, c'est dommage qu'il ne nous propose pas directement d'en mettre un autre au lieu de nous faire repasser par le menu pour en remettre un autre encore. Dommage qu'il ne nous propose pas ça directement. Bon, c'est pas très grave. Oh non, mais elle! Ah non, mais cette fille, elle m'énerve! Mais elle marcelle au téléphone pour me dire rien d'important, c'est ça le pire. Je sens qu'on se rapproche du sommet. D'ailleurs, ça se trouve, on y est même. Le voilà! Je le savais! Je le savais, je le savais, je le savais, je le savais! Je le savais. J'en étais sûr. Donc, du coup, les gens, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une sauvegarde, mais pas une sauvegarde traditionnelle. On va faire une sauvegarde rapide. Donc, c'est au cas où... on va mettre sur le premier emplacement. Voilà. C'est au cas où, ne sait-on jamais, la capture plante, autant vidéo que capture du Pokémon, je me dis, comme ça, au moins... J'aurais pas sauvegardé de façon traditionnelle et je pourrais recommencer la vidéo normalement au même point que tout à l'heure et tout. Enfin bref, vous m'avez compris je pense. Oh là là, il est magnifique, il est beau, putain. Ah ah, je suis tenté de faire un petit face à face. Lugia versus Ho-Oh. Oh non, non, viens pas tout gâcher, bug s'il te plaît. Mais ce bug qui vient tout gâcher. Pourquoi tu gâches tout comme ça? Merci. C'est parti. Ciao. Ou ciao plutôt. Et cette musique les gens, écoutez cette musique. Cette musique. Cette musique de fou. Il est niveau 70 en plus. Oh là là. Ho-Oh versus Lugia. Oh mon dieu. Bon,
Oh, je suis trop content. Allez, on va faire extra ascenseur. Oh, cette musique. Oh, cette musique, les gens. Bon, par contre, je vais devoir peut-être y aller un petit peu plus fort. Parce que... il est balèze, hein. Donc là, bon... Résiste. S'il te plaît, t'es un légendaire, quand même. Résiste. Oh, il résiste même très bien. Hein. Très, très bien. Je pense pas que j'ai trop besoin de m'en faire par rapport à ça. Il résiste très bien. Ok. Bon, il me l'a tué, c'est pas grave. C'est pas grave, donc là ce qu'on va faire, évidemment, en utilisant notre Pokémon, je veux dire, contre un légendaire, je vois même pas pourquoi on pose la question. Ça paraît tellement évident. Donc du coup, je vais changer sur Kogarasu. Et je vais tenter de l'endormir si j'attaque le premier. Et si bien sûr Kogarasu ne loupe pas son attaque. C'est foutu. Pouvoir antique en plus. Bon là, ce sera le one shot assuré. Du coup, comment je vais faire? Est-ce que je tente de lancer la Pokéball malgré tout? Mais je pense, ah ouais, en plus il augmente toutes ses stats. Oh là là. Oh, ça va être galère. Ça va être galère, les gens, mais... Mon Dieu. Ça va être galère. Bon. Bon, 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 bon. Du coup... On va envoyer Dino King. En espérant que je vais pas faire le même fail qu'avec Ronflex, c'est-à-dire de le tuer, tout simplement. Ah, j'hésite à faire force. Mais je devrais pas pouvoir le tuer, il est niveau 70, je suis que niveau 42, ça devrait aller quand même. Oh là, je suis en pleine réflexion. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais que de fer ou force peut-être? Oh les gens, je suis en pleine réflexion là, je sais pas. J'ai peur de faire encore un fail. Même si techniquement ce serait pas très grave vu que j'ai sauvegardé avant, mais quand même. Si je pouvais l'avoir du premier coup, ce serait excellent. On va faire que de faire. Bon. Sauf s'il me tue avant. Bon. Ah non, il m'a pas tué. Mais il rate son attaque. Bah bien sûr. Non mais tu déconnes. Le mec, quoi. Il est deux fois son attaque. Tu déconnes. Oh, t'es trop nul. Bon. Je préfère toujours envoyer plus faible avant pour être sûr de pas pouvoir le tuer. Ah mais là je suis vraiment en mode stress, mais... Oh là 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 là. Putain, dire que je peux avoir Ho-Ho et Lugia dans la même équipe, quoi. Ce serait vraiment dommage de s'en priver quand même. Est-ce que je suis mort? Je tente la morsure. Bon allez, on tente. Bon, je pense pas qu'il va pouvoir me tuer avec pouvoir antique. Ah bah si, si. Ok, d'accord. Ah mais oui, c'est vrai, Red Dragon, il est type vol, il est pas type eau, je suis bête. Bon, si je galère trop, j'envoie J'enverrai la Master Ball si je galère beaucoup trop, mais... Ne le tue pas, je t'en supplie. Je t'en conjure, Croco, ne le tue pas. Tuerie interdite. Ne le tue pas. C'est bon, ça va. Par contre, ça a baissé sa défense, donc je vais absolument pas réessayer, parce que sinon, si je réutilise ma chouille, c'est sûr que ça va le tuer. Donc je viens de baisser sa défense.
Mais plus bas. Reste dans la Pokéball. Oh oh, laisse-toi capturer, s'il te plaît. Je t'en supplie. Pitié, laisse-toi capturer. S'il te plaît. Mon ami, oh oh. Tu veux pas entrer dans la Pokéball avec moi? Sorti de son contexte, ça fait très bizarre comme phrase. Enfin bref. Bref. Par mesure de sécurité, on va... on va faire revenir quelqu'un à la vie. Griffule, évidemment. Hein. Ça paraît évident. On me protège, si tu veux. Fais-toi plaisir. Bon allez, on va se refaire un petit peu les mêmes délires que dans Pokémon Ruby Omega, pour ceux qui ont regardé mes vidéos tuto, notamment le troisième où je vous montrais comment capturer Ho-Oh dans Ruby Omega. On va tenter de capturer à la Pokéball. Ça me paraît assez chaud, mais franchement, je suis bien tenté d'essayer. Feu sacré. Oh là là, oh. Putain, si ce Pokémon, je l'attrape, franchement, je suis trop content. Bah. Ah, il m'a brûlé. J'allais dire il m'a tué, mais bon, c'est franchement, c'est tout comme, hein, parce que vu la situation dans laquelle je me trouve... bon, j'aimerais vraiment ne pas balancer ma Master Ball. Non pas parce que j'en aurais sûrement besoin par la suite, encore que c'est peut-être le cas. Mais franchement, j'ai envie de le capturer avec une autre ball que la Pokéball, parce que... que la Master Ball, pardon, parce que la Master Ball serait trop facile. Ce serait vraiment trop facile. Puis surtout, je l'aurais affaibli pour rien finalement. Donc Oh purée. Utiliser un autre Pokémon. On va d'abord le soigner quand même. D'ailleurs, je suis vraiment à court d'objets là. Le protect, oui. Bon. Une autre Pokéball. Franchement, c'est vrai que ça a l'air complètement débile d'utiliser une Pokéball contre un légendaire niveau 70, mais quand même, je me dis, si la plupart des légendaires que j'ai capturés sur Ruby Omega étaient à la Pokéball, je me dis pourquoi je pourrais pas le faire dans Soul Silver aussi. Donc, c'est pour ça que je m'acharne un peu, mais bon, sinon, je pourrais éventuellement changer de tactique aussi. Air, une protect, ok. Soufre de sa brûlure, oui. Tac. Essayons de faire les choses correctement. Je pense pas que ce soit la peine d'utiliser un total soin tout de suite, vu qu'il risque sûrement de me rebrûler. Allez, on tente hyperball. Oh là. Mais c'est limite plus efficace avec la Pokéball, j'ai l'impression. Parce qu'avec la Pokéball, au moins ça vibre une fois, quoi. Alors que là, avec l'hyperball, ben...
Nada. Oh oh, s'il te plaît, laisse-toi capturer, mon ami. Tu es mon ami, non? Tu n'es pas mon ami? Oh oh, mon ami, s'il te plaît. Fais-moi plaisir, fais plaisir à tonton cette Sky. Entre dans la Pokéball, s'il te plaît. Oh là là. C'est dur. Bon, franchement, là, je le spam de ball. Là, je fais que ça. En croisant les doigts pour qu'il accepte de rentrer dans l'une d'entre elles. Mais visiblement, c'est mal barré. Hein. Oh là là. Oh purée. Est-ce que je tente de ressusciter Kugarasu et de l'endormir ou pas? Oui, je sais que ça peut être chiant de m'entendre fredonner cette chanson tout le temps, mais elle est trop bien, franchement. Elle est épique. Elle est épique, ma gueule. Par contre, ouais. Oh là là, est-ce que j'utilise la Master Ball ou pas? Non, mais ce serait complètement con, pas après tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, quand même. Sinon, à quoi bon tenter de l'affaiblir à ce point-là, si au final, pour me rabattre sur la Master Ball, ça sert à rien. Et mine de rien, on est quand même aux 17 minutes, hein, donc bon, c'est pas pour dire, mais voilà, hein. Oups, je me suis trompé. Je suis bien tenté de ressusciter Kugarasu, mais mon petit doigt me dit que ce serait une perte de temps. Rentre. Allez, s'il te plaît, fais un effort. Allez, quoi, sois sympa, sois un bon pote, s'il te plaît. Je te donnerai des cookies. Je te donnerai des cookies, promis. Allez, rentre. Il fait pas rentrer. Là, ça vibre plus une seule fois. Il veut plus rentrer. Il veut plus rentrer. Bon, on va switcher sur Ronflex. On va switcher sur Ronflex et après on va le laisser pour une protect. On va voir s'il peut éventuellement essayer de me le tuer. Comme ça au moins je pourrais switcher sur Kugarasu et ben déjà j'aurais pas perdu un tour à switcher Ah What? What the fuck? Mais comment j'ai fait? Mais comment j'ai fait? Alors là, je comprends rien. Attends, c'est pas possible, c'était scripté ou... Eh, les gens, dites-le-moi dans les commentaires si c'était scripté ou pas, parce que là, je comprends plus rien. Attendez, mais depuis tout à l'heure, je galérais, il voulait pas du tout rentrer, et là, d'un coup, est-ce que c'est le fait que j'ai switché avec Ronflex qui a... changer un truc dans le jeu, je sais pas, mais...
Mais pourtant, mais j'ai rien fait de particulier depuis tout à l'heure. J'ai lancé la Pokéball et ça l'a capturé comme ça, normal. Et puis là, je suis sur le cul. Je comprends rien. Je comprends rien. Enfin bref, franchement, je vais pas me plaindre. Hein. J'ai OO maintenant. J'ai OO, j'ai envie de dire. Donc je m'en fous, mais quand même. Purée, alors... Ah mon dieu. Oh, je suis sur le cul. Donc, son corps brille des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Arc-en-ciel qui se constitue derrière lui quand il vole. Ok. Donnez un petit surnom à OO. Je l'ai appelé... J'ai appelé... Non, j'avais pas donné de surnom à OO dans mon let's play de Ruby Omega. Donc, bon, du coup, je peux pas prendre un pseudo antérieur. Je sais comment je vais l'appeler. Ah, quoique, est-ce que je n'avais pas déjà donné un surnom? C'est possible, hein. Ouais, mais en tout cas, je l'ai oublié, donc du coup... On va lui donner exactement le même surnom que j'avais donné à mon petit... Comment il s'appelle? À mon petit Groudon dans mon let's play de Pokémon Ruby Omega. C'est-à-dire... Natsu. Tout simplement. Tout simplement. Bon. Et là, je suis devenu invisible. C'est magnifique. Hein. Encore une fois, bug d'émulateur. Et là, mon équipe est vachement amochée. Purée. Oh, j'en reviens pas, les gens. Je n'en reviens toujours pas. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu la petite animation, la petite vidéo pour montrer l'apparition de OO. Comme ça avait été le cas pour Lugia, finalement. Bon, les heureux possesseurs de Pokémon EarthGold en auront profité. Pas moi, malheureusement. Bon, c'est un peu dommage. Oups. Oui, c'était pour voir s'il réapparaissait. Non, je rigole. Non, c'est juste pour utiliser Vol, tout simplement. Est-ce que c'est possible? Je suis en haut d'une tour. Bah oui, voilà, quand même. Bon, bah, 22 minutes de vidéo, c'est correct. C'est tout à fait correct. C'est tout à fait correct. Je vais juste retourner à Rosalia. Pourquoi? Bah, pour vérifier un dernier truc. Voilà. Donc, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. On a un Onflex dans l'équipe. On a un OO également. Franchement, on est bon pour l'instant, les gens. J'ai envie de dire, on est bon. On est très bon, même. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Après, il faudra évidemment que je fasse du level up par rapport aux autres membres de l'équipe, mais voilà. Franchement, c'est cool. C'est cool, j'ai envie de dire. J'ai juste envie de... Ouais. D'ailleurs, au passage, il y a un Lugia qui se promène dans mon dos, mais ça choque personne. Enfin bref. Ok. Effet de repousse d'ici. Donc c'est juste pour voir si éventuellement les trois chiens légendaires, donc OO, Suicune et Raikou, seraient pas revenus. Et non. Ils sont pas du tout revenus. D'accord. Ah, quoique... Ah mais oui, c'est vrai, il se promène sur les routes, j'avais complètement oublié ça. Est-ce que ça vous dit pas qu'on tente d'en capturer au moins un? Ok, d'accord. Alors déjà, il y en a un qui est en plein milieu de là où je suis, quoi. Donc déjà, c'est pas lui. Ah, mais je vais en profiter pour mettre Ronflex devant tout de suite. Voilà. Comme ça, au moins, je pourrais bloquer. Voilà. Là, c'est lui. Entei. Niveau 40.
Bon, on va tenter de le bloquer. Ah, cette musique. Voilà. Maintenant, tu ne peux plus t'échapper, bitch. NT Sauvage, je peux plus t'échapper. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, mon petit? Bien fait pour ta tête. Oh là là, si ça se trouve, je vais peut-être pouvoir... Non, putain, l'enfoiré, il m'a fait hurlement. Oh, l'enfoiré. J'espère que vous entendez pas les voix en arrière-plan dans le micro. Oh là là, l'enfoiré. Oh, il m'a bien eu. Oh, cet enfoiré, il m'a bien eu. Oh là là. J'y crois pas. Oh là là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh putain, j'y crois pas. Putain, je suis encore sous le choc là. Je suis encore sous le choc, je vous jure. Je t'avais déjà affronté. Oh, j'y crois pas. Oh non, mais c'est pas possible. Il avait hurlement, cet enfoiré. Ah non, mais là, j'en peux plus. J'en peux plus. Oh là là, mais... Putain, mais c'te fail quoi. Oh non, mais les Pokémon sauvages, commencez pas à m'énerver, s'il vous plaît. C'te fail. Ah non, mais... Oh, ça va me marquer à vie, ça. Ah, ça va me marquer à vie. Non, mais ce fail, mon Dieu, ce fail. Et là, il s'est barré à l'autre bout de la map, génial. Oh, mon Dieu. Ah non, mais là, j'y crois pas. Je suis encore sur le cul. Oh putain, ça va me marquer à vie, ça, les gens. Moi, je vous le dis, ça va me marquer à vie. Oh purée. J'y crois pas. Oh là 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 là. Bon, j'essaie une dernière fois de tenter de les rattraper, mais... Oh l'enfoiré. Il a fait hurlement. Comme de par hasard. Ah mais c'est vraiment des enfoirés, c'est pas possible. Oh, c'est pour ça que j'aime pas les légendaires là qui se promènent dans les routes comme ça. Il doit être là où je suis. Oh, ouais, niveau 4 en plus. Ça me rappelle des souvenirs, ça. Oh, j'y crois pas. Bon. Bon, au moins tu t'en suis pas. Allez, rentre là-dedans et reste-y. Reste-y. Ah.
rentrer en dépression. C'est pas possible. Il s'est encore barré, il a encore fait la même chose. Oh là 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 là. Et j'avais pas envie d'utiliser ma Master Ball parce que... Je me dis ce serait du gâchis. Franchement, je me dis ce serait vraiment du gâchis, quoi. Utiliser une Master Ball sur Entei. Bon, au moins, je sais que ça sert plus à rien d'utiliser Barrage, parce que de toute façon, si lui il fuit pas, c'est lui qui me fera fuir avec Hurlement, donc... Oh là, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon. Ben, ça me fait penser à autre chose. Bon, du coup, pour les légendaires, on va laisser ça de côté pour l'instant. Ça me fait penser, j'aimerais bien aller quelque part. Bon, d'ailleurs, c'est juste à côté de nos villes. Oh là, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens. Je vous assure, je suis hyper dégoûté. Oh, c'est horrible, quoi, ce qui vient de se passer. Je ne sais plus quoi dire. Je suis tellement sous le choc que je ne sais plus quoi dire. Je ne fais que répéter la même chose depuis tout à l'heure, mais... Oh là là. Bref, bon. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc là, je suis aux ruines d'Alpha. Je vais m'arrêter ici. Parce qu'il y a un Pokémon, je me souviens, qui se trouve pas très loin des ruines d'Alpha, normalement. À moins que ce soit les caves jumelles, je sais plus, mais enfin bref, on verra bien. Et on va tenter de capturer ce Pokémon dans la prochaine partie, voilà. En tout cas, j'espère que ce 12e épisode vous a plu. On peut dire là, pour le coup, que t'es quand même assez riche, oui, bien sûr. Assez riche en événements, voilà, parce que assez riche, ça ne se dit pas. Et bah, sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde !